Aujourd'hui, on va tester l'achat de tickets de métro sur smartphone. Île-de-France Mobilité, avec la RATP et la SNCF, lance une expérimentation. Je fais partie des 1500 premiers testeurs qui peuvent acheter à partir d'aujourd'hui leur ticket de métro ou leur passe Navigo sur le téléphone. Alors, j'ouvre mon application Navigo Lab. C'est parti. Acheter. Trois possibilités. Un carnet de 10 tickets. 14,90€, le prix normal. Un forfait Navigo mois à 75,20€ ou le Navigo semaine à 22,80€. Alors j'achète le carnet de 10 tickets, je paye et je rentre mon code de carte bleue pour valider. Mon smartphone est maintenant crédité de 10 tickets de métro. Ils sont enregistrés sur la puce NFC du téléphone et c'est grâce à elle que je vais pouvoir franchir les portiques et rentrer dans le métro. Il faut savoir que ça fonctionne aussi portable éteint. Même si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez valider avec votre téléphone et ensuite prendre le métro. C'est pour l'instant en test, donc vous pouvez essayer de vous inscrire sur le site Navigolab pour faire partie des bêta-testeurs. Ce processus sera ensuite généralisé à l'été 2019.